Vous êtes envahi de questions, de doutes, d'incertitudes, de peurs. La peur de l'avenir, la peur du lendemain. D'autres angoisses peut-être, ou formes d'anxiété. Eh bien, ici, vous allez pouvoir apprendre à prendre du recul, de la distance, pour laisser un autre état prendre place au plus profond de vous. Un état plus calme, plus posé, plus détendu, et plus propice au changement. Laissant apparaître un petit peu plus, mettre en lumière des choses plus positives. Il arrive parfois que nous ayons des doutes, des questions, des incertitudes et un manque de réponses sur ce que sera notre lendemain, peut-être l'avenir aussi de nos enfants. Et cela peut générer des moments de doute, d'angoisse, de peur, de questions. Alors, tout cela est normal et je vous propose ici d'accompagner cela et d'aller mettre un peu plus en lumière des ressources que vous avez au plus profond de vous pour vous permettre de continuer d'avancer, de dépasser ces obstacles et de ne pas vous laisser conditionner, limiter par ce climat, cette ambiance un petit peu stressante. Voilà, où les choses commencent à être un peu incertaines, peut-être pour vous. Donc ici, vous allez apprendre cette technique, vous allez pouvoir reproduire et je vous y invite chez vous par la suite. Voilà, mais déjà vous autorisez à aller voir au plus profond de vous, ce qui va vous permettre d'avancer, d'y croire et de continuer à projeter des choses en retrouvant un état de calme, de sérénité et de joie intérieure. Je vous propose bien sûr de me laisser un commentaire sur YouTube. Voilà, des retours suite à ces séances et puis peut-être de mettre en lumière d'autres besoins pour lesquels j'aurai plaisir à répondre à travers d'autres vidéos. Vous est-il déjà arrivé de rêver votre avenir? Je vous propose ici de laisser petit à petit les portes du possible s'installer au plus profond de votre réalité intérieure. Et je vais vous guider aujourd'hui pour parcourir ce voyage interne et contacter au-delà de la conception du changement à venir, l'énergie du changement lui-même. Car il est bien là question d'énergie. Cette énergie qui vous fait vivre un peu plus chaque jour. Cette énergie que vous contactez lorsque vous vous autorisez à rêver d'un avenir meilleur. Alors, comme vous le savez peut-être, pendant que je vais vous guider sur cette courte séance, vous avez la possibilité à tout moment de réajuster votre position afin d'être toujours confortablement installé et de faire le choix, consciemment et inconsciemment, de choisir certains de mes mots, certaines de mes phrases, pour que cela corresponde à votre réalité intérieure. Autorisez-vous à laisser passer certains mots, certaines phrases. Et cela n'a pas d'importance parce que, voyez-vous, en hypnose, il n'y a rien besoin de faire, pas besoin de penser, de réfléchir. Et pour celles et ceux qui souhaitent garder un contrôle, alors vous allez laisser cette partie consciente prendre un peu de hauteur à la bonne distance et continuer à surveiller, écouter, analyser peut-être ce que mes mots, mes phrases, les intonations, le rythme, le volume de mes phrases et mes silences permettront de vous donner un accès à cette partie de vous avec laquelle vous vivez, cette partie qui reste parfois dans l'ombre de votre conscience, cette partie de vous profonde qui a tant de choses à vous apporter. C'est un petit peu comme si cette partie-là avait la clé qu'il manquait à votre trousseau. La clé qui ouvrira la porte du possible que vous allez choisir d'entrouvrir dans un court instant.
Et pendant que je vous raconte cela, une partie de vous est déjà en train de contacter tout ce champ des possibles, vos ressources et votre potentiel intérieur, sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et cela en respectant votre équilibre, vos valeurs, en étant en parfait accord avec qui vous êtes au plus profond de vous, puisque cette partie n'est autre que vous. Alors maintenant que vous avez pris place, confortablement installé, laissez chacun de vos muscles, chaque partie de votre corps, s'alourdir, se détendre de plus en plus. Et plus votre corps prend place et se détend, et plus vous rentrez à votre juste niveau en transe hypnotique. Et vous pouvez vous faire ce cadeau aujourd'hui et renouveler cette expérience et observer avec quelle facilité, quelle rapidité vous entrez de plus en plus en transe et au niveau le plus juste pour vous, pour pouvoir ancrer cette énergie du changement. Peut-être avez-vous en mémoire une expérience de transe hypnotique précédente. Une expérience où vous vous êtes fait absorber irrésistiblement et volontairement pour accéder à un niveau encore un peu plus profond. Dans votre monde intérieur, en tournant votre regard vers ce qui se passe à l'intérieur de vous, cette vie derrière vos paupières, faite de pensées, d'émotions, de sensations, de ressentis. Et vous allez aujourd'hui vous rapprocher de cet état. Lorsque vous l'aurez décidé, à votre rythme, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, laissez-vous simplement guider par les sons qui sortent de ma bouche. Comprenez-en le sens et inconsciemment, laissez-vous saisir par un tout autre sens. Et parfois les choses vont et viennent, et on en laisse passer certaines pour mieux en récupérer d'autres. Très bien, et vous allez laisser venir à vous peut-être une image, un rêve, un film, un son, qu'importe votre manière de contacter ce rêve. Autorisez-vous maintenant à rêver votre avenir meilleur. Quel serait le ou les changements qui prendraient forme? Laissez les choses se profiler et venir à vous. Soyez peut-être surpris par des choses auxquelles vous allez accéder aujourd'hui. Des choses nouvelles ou des souvenirs, des rêves anciens auxquels vous ne pensez plus ou pour lesquels vous auriez fait une croix dessus. Car beaucoup de personnes posent un mouchoir
sur des choses qu'elle pense inaccessibles, trop ambitieuses. Alors, offrez-vous ce cadeau aujourd'hui, levez ce mouchoir et dirigez toutes vos pensées, votre énergie, vers ce rêve enfoui quelque part qui peut-être a déjà pris forme pour certains. Et si cela génère certaines émotions, autorisez-vous à les traverser sereinement, en toute tranquillité, sereinement, en toute sécurité. Très bien, je vous laisse quelques secondes pour laisser tout cela prendre place derrière vos paupières. Observez simplement cette nouvelle version de vous-même que vous imaginez maintenant. Qu'est-ce que ce changement change pour vous? Qu'est-ce qui prend place? Qu'est-ce qui est différent? Comment vous sentez-vous? En vous observant, en observant vos nouvelles pensées, en observant toutes les modifications, même les plus subtiles, que ce changement génère en vous, sans chercher à répondre précisément à ces suggestions. Laissez votre partie inconsciente amener à vous des informations, mettre en scène, en images, en mots, en sons peut-être. En ressenti, des nouvelles choses. Accueillez simplement, avec curiosité et bienveillance, ce qui peut se présenter à vous. Et je vous invite à faire un pas de plus vers ce rêve, ce désir de changement. Et en faisant ce pas de plus, vous vous autorisez encore un peu plus à y accéder. Vous vous rapprochez de la porte des possibles et vous pouvez ressentir quelque part en vous cette énergie qui continue de grandir et de prendre place. Cette énergie du changement que vous pouvez percevoir même si peut-être certains d'entre vous résistent. Autorisez-vous simplement à la toucher du doigt, à la ressentir. Même un tout petit peu. Peut-être avez-vous besoin de l'apprivoiser, d'être rassuré. Et quelque part en vous, une partie veut bien croire que cela n'est pas qu'un rêve. Et il n'y a pas qu'un chemin pour accéder à nos souhaits les plus chers. Aujourd'hui, d'autres chemins, d'autres portes, d'autres solutions pour pouvoir s'offrir à vous. Rapprochez-vous encore un peu plus de ce rêve à votre manière, à votre rythme. Et vivez-le profondément, intensément, comme si vous y étiez. Que voyez-vous autour de vous? Que ressentez-vous en vous? Au plus profond de vous, qu'entendez-vous? Et s'il y a des choses à modifier, à améliorer dans ce que vous êtes en train de vivre,
Faites ce qui est nécessaire de faire juste avec cette intention bienveillante. Et poursuivez votre rêve. Laissez les choses pas à pas se dérouler, se poursuivre. Et soyez toujours étonné de ce qui se présente à vous. Et cette énergie du changement peut continuer à grandir et à prendre de plus en plus de place. Une énergie motrice qui vous permet d'avancer en toute confiance. Observez simplement ce qui se passe en vous lorsque vous vous faites absorber par ces nouvelles pensées, par ce nouveau ressenti. Et même si une partie de vous peut continuer à vous dire que cela n'est pas réel, que cela ne peut pas arriver, autorisez-vous 5 minutes à laisser cette partie parler toute seule comme un bruit de fond. Elle aura bien le temps de revenir et de revoir son discours par la suite. Et remerciez cette partie qui est là pour veiller sur vous. Elle a de bonnes intentions, mais peut-être qu'il est temps pour elle de comprendre que vous êtes en train de vous orienter sur un changement où l'équilibre, l'harmonie, la sécurité, la sérénité, la confiance continueront à vous accompagner. Alors rassurez cette partie de vous. Laissez-lui cette place. Et permettez-lui d'observer, elle aussi, ces nouvelles choses que vous êtes en train de contacter. Je vous propose maintenant de laisser prendre forme quelques portes. 1, 2, 3, 10. Autant de portes que de souhaits et que de changements espérés. Laissez venir ces portes devant vous, quel que soit le paysage où vous souhaitez vivre cette expérience. Cela peut être en intérieur, en extérieur. Profitez de ce moment pour continuer à rendre la chose vraiment très agréable pour vous. Cela peut être dans un endroit paradisiaque, à moins que vous préfériez un endroit que vous connaissez particulièrement. Et pendant que vous faites cela, une partie de vous sait déjà quelles seront ses portes. Et vous allez tranquillement, au fur et à mesure que les choses prennent place, vous allez pouvoir écrire sur chacune des portes votre souhait, votre avenir, les changements que vous souhaitez. Autant de portes pour autant de changements trouveront leur porte. Et vous avez en vous la clé manquante au trousseau. Et vous savez au plus profond de vous ce que ce changement vous apportera et ce qu'il vous aura apporté vous apportera là aussi d'autres choses. Et ainsi de suite, et chaque chose a son intention positive. Et dans cette énergie, vous allez continuer à avancer, à dépasser certaines croyances, certaines limites,
à rassurer cette partie de vous qui pense bien faire et à partager tout autour de vous cette nouvelle bouffée d'oxygène. Et quel que soit le chemin que vous allez vous apprêter à parcourir dans un court moment, vous savez qu'à tout moment, vous allez être en capacité de contacter au plus profond de vous vos ressources, votre potentiel, votre motivation, votre détermination, qui vont nourrir cette confiance que vous vous portez et qui va mettre en lumière d'autres capacités que vous avez peut-être oubliées. Très bien. Et maintenant que ces portes ont pris place, portant chacune certains mots, je vous propose maintenant de faire un pas de plus vers une de ces portes. Et à votre manière, quelle que soit votre façon de faire, vous allez être en capacité de l'ouvrir. Peut-être simplement percevoir une lumière différente sous cette porte. Et dirigez-vous vers celle qui vous attire le plus. Et vous allez, à votre manière, l'ouvrir. Peut-être simplement l'entrouvrir, à moins que vous souhaitiez vraiment l'ouvrir entièrement. Et soyez curieux de cette énergie nouvelle qui va émaner dans cet endroit nouveau derrière cette porte, où tout est possible. Et puis faites un pas de plus, et si vous le souhaitez, avancez encore un peu plus jusqu'à laisser cette porte derrière vous. Et offrez-vous ce moment pour faire l'expérience de ce changement à venir. Profitez. Voyez ce que vous avez besoin de voir. Entendez, accueillez ce que vos oreilles entendent. Ressentez, sentez et vivez de l'intérieur tout ce que cela vous procure. Et il se peut que pour amplifier cet état, il vous vienne en conscience des souvenirs plus anciens, où vous avez fait ce pas en avant et où vous avez franchi cette porte du changement. Quel que soit le changement, qu'il soit petit ou grand, vous avez tous en vous une expérience. Et si cela se présente à vous, accueillez-la simplement et intégrez-la aussi, cette énergie, en mémoire à cette fois où vous avez simplement fait ce pas en avant. Je vous invite maintenant à continuer cette exploration, à vivre vraiment très intensément comme si vous y étiez, à explorer tous ces changements. Et lorsque vous en aurez fini avec une pièce, un monde derrière cette porte, vous pourrez revenir en arrière et faire ce pas en avant pour aller à la découverte derrière chacune des portes du possible qui se présente à vous. Et pendant que vous allez faire cela, une partie profonde en vous va contacter toutes les ressources, tout votre potentiel, tout ce qui est bon pour vous,
et va permettre à cette partie qui souhaite préserver votre équilibre et qui peut parfois freiner, s'opposer à ce changement. Ces deux parties vont pouvoir communiquer pendant que vous êtes déjà en train de vivre ce changement afin de trouver un équilibre nouveau, afin de se mettre d'accord sur des intentions positives communes et vous permettre de lever certains blocages ou de les identifier et de mettre en lumière ce qui pourrait être levé pour vous donner un accès encore plus illimité. Vers un avenir meilleur, un avenir plus heureux, plus épanouissant. Et peut-être que ces choses-là vous viendront à l'esprit pendant la séance ou quelques heures, quelques jours après la séance. Et vous serez à ce moment-là disponible pour accueillir cela et considérer cela comme un outil de développement personnel qui vous permettra de franchir encore une autre étape vers ce chemin que l'on appelle l'épanouissement personnel. Je vous laisse poursuivre cette séance et profiter pleinement des bienfaits que cela vous procure.